Bon matin. Ménage, ménage. Alors, je vais vous montrer mes trucs express, puis en même temps, je vais vous donner les recettes qu'on a avec la formule purifiante, tout ce qu'on peut faire avec elle. C'est mon essentiel ménage depuis 20 ans, depuis ma première grossesse. C'est un concentré d'huile essentielle. Pour chasser les indésirables, les microbes, il y a dans les ingrédients le thym à thymol et le thymol est fameux, même utilisé dans des gammes très puissantes. Et notre thym est deux fois plus concentré en thymol que ce qui est utilisé sur le marché. Donc, juste vite, vite, là, ce que j'aime faire avec ma formule, je vais en mettre une goutte dans le lave-vaisselle, une goutte sur mon éponge quand je lave la vaisselle, une goutte dans la cuvette. J'en ai partout. J'en ai dans mes salles de bain, j'en ai. Ça sent tellement bon, là. Vous allez vous arrêter quand vous allez faire du ménage, par exemple, dans la maison pour écrire, et c'est déjà arrivé, comment que c'est plaisant. C'est vivifiant, au contraire des fragrances synthétiques qui nous donnent mal à la tête. Et des produits ménagers toxiques, vraiment, qui peuvent nuire même à la santé de nos enfants, au système respiratoire. Tu sais, donc, on a eu des témoignages dans ce sens-là vraiment percutants. Donc, ça vaut la peine, surtout quand on est aussi efficace, sinon plus, d'utiliser des formules saines dans notre maison. Donc, moi, pour mon ménage, j'utilise la formule purifiante depuis 20 ans, un parfum d'ambiance depuis aussi longtemps. Nos parfums d'ambiance, dont celui qu'on vous donne, est composé d'alcool et d'huile essentielle pure. Donc, ce sont des super assainissants aussi. Je vais vous montrer comment je les utilise, comment j'aime les utiliser. Et un savon. Pour la porcelaine, pour mes éviers, je vais prendre de la bicarbonate de soude. Pour les miroirs, du vinaigre. Et j'ai une formule pour les vitres de la douche avec la formule purifiante, du vinaigre, de l'alcool, et ça marche et c'est parfait. Donc, pour les comptoirs, juste avant de recevoir, et ceci, on peut aussi la diffuser, et juste avant de recevoir la visite, je mouille mon torchon, je vais mettre directement la formule dessus, et c'est comme ça que je vais nettoyer mes comptoirs. Quand je veux laver mes planchers, je vais prendre un savon, ça peut être aussi un savon à vaisselle, mais de grâce, sans fragrance dedans, ou nos savons à main. Nos savons sont fantastiques, ça fait partie de mes essentiels maison. Donc, un savon sapin, pamplemousse, lavande, avec un peu de formule. Ça prend du savon dans notre eau de lavage pour que les huiles essentielles se mélangent dedans. Et c'est comme ça aussi que je vais faire mon époussetage. Donc, je vais avoir ma petite chaudière avec mon eau savonneuse et ma formule dedans. Même chose pour les planchers. Maintenant, je vais aller du côté de la salle de bain, juste pour vous montrer mes trucs express. Bon, ici, au passage, on peut aussi mettre notre parfum. On vous donne, hein, air de camphre, on vous le donne en ce moment. Donc, vous pouvez le vaporiser sur les draps du lit. Vous pouvez les vaporiser dans la salle de bain, sur les linges, les serviettes, les tapis. Et ça reste, ça sent bon. Et la lavande est aussi reconnue comme un repulsant d'indésirable. Et maintenant, mon petit truc et ce que j'aime bien faire, là, côté, bon, c'est sûr que même chose pour mes comptoirs, pour mes éviers, je vais utiliser la bicarbonate de soude pour ma douche. Cette formule, le spray que je fais d'avance, là, je l'ai. Et que je vais utiliser pour les vitres de la douche, et ça fonctionne super bien. Et à la cuvette, tout simplement, je prends mon parfum. Moi, c'est sûr que j'aime beaucoup patchouli. J'ai des sapins aussi, j'ai ma formule purifiante. Donc, je vais mettre une goutte. Même chose quand je fais mon ménage, partout, là, je vais prendre mon linge et je vais mettre une goutte directement sur mon linge, une goutte dans la cuvette. Ça sent bon. Il y en a qui mettent une goutte dans le rouleau de papier de toilette, juste une. Comme ça, le parfum reste. Et ce qu'on respire, c'est aussi assainissant pour l'air environnant. Donc, ce ne sont pas que des...
des formules de contact, mais aussi pour l'air qu'on respire. Et ceci, on peut directement le mettre, c'est comme ça, sur le siège, puis on va passer un doux linge. Après, on referme le tout. Et c'est ma façon à moi de m'assurer que c'est toujours bien propre et que ça sent bon. Ça sent frais, ça sent le camphre un peu, la lavande, c'est apaisant et on peut vraiment l'utiliser. J'avais envie de vous dire à quel point on pouvait l'utiliser partout dans la maison et comment c'est facile de faire le ménage avec des formules. La formule purifiante, un concentré d'huile essentielle et qui va être vraiment très actif. Je vais même vous mettre, si vous voulez, les données scientifiques pour supporter l'effet antimicrobes des huiles essentielles qui sont contenues dans la formule purifiante. Même chose pour air de camphre. Comme ça, vous allez être convaincu que non seulement l'air est bon à respirer, agréable à respirer, qu'il y a un effet aussi apaisant sur le système. Et tu sais, ça reste dans les draps, ça nous permet de voyager un brin puis de revenir au moment aussi. Et à quel point c'est efficace au côté ménage. Et ça fait en sorte qu'on a un nid où l'air est bon à respirer et sain à respirer aussi.